Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séance d'hypnose. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'amour de soi. Nous allons solliciter votre inconscient ainsi que toutes ses ressources pour pouvoir faire en sorte de faire grandir ce sentiment d'amour de soi. Pouvoir même peut-être diffuser cette énergie à chaque étage de votre corps et de votre esprit. Pour pouvoir commencer cette séance dans les meilleures conditions, je vais dans un premier temps vous inviter à vous munir d'une paire d'écouteurs ou encore d'un casque audio, afin d'être pleinement immergé dans cette expérience hypnotique et de pouvoir être concentré sur toutes les suggestions que je vous partagerai durant toute cette séance. Je vais donc vous inviter à vous installer confortablement dans un endroit calme. Vous allez simplement faire en sorte d'être attentif au silence environnant. Durant toute cette expérience, il est possible que vous ressentiez certaines sensations, comme par exemple des sensations de chaud, de froid, des fourmillements au niveau de la peau, un tremblement au niveau des paupières ou encore peut-être une déglutition répétitive. Et si c'est le cas, vous allez simplement pouvoir accueillir ces sensations, de même que toutes les pensées ou toutes les images mentales qui vous traverseraient l'esprit durant toute cette expérience. Une fois que vous serez prêt, vous allez simplement pouvoir fermer les yeux et commencer à tenter de faire le vide dans votre esprit. Si au cours de cette séance, il vous arrive de vous endormir, sachez que vous pouvez simplement accueillir cette sensation. Une partie inconsciente de vous continuera, elle, d'être attentive à toutes les suggestions et à tout ce qui vous sera partagé dans cette expérience. Et votre inconscient pourra alors solliciter toutes les ressources qui peuvent être liées à l'amour de soi, pour qu'elles puissent fleurir dans votre réalité. Les yeux fermés, vous allez continuer à être attentif au silence. Le silence entre deux mots. Le silence entre deux notes de musique. Comme si vous pouviez simplement faire en sorte que tout votre esprit s'apaise, que le corps se calme, simplement en étant dans un premier temps concentré sur le silence. Et alors progressivement, vous allez simplement faire en sorte de ressentir avec plus d'intensité les battements de votre cœur. Cette pulsation qui vient se déployer sur tout le corps physique, sur tout votre être. Et vous pouvez également être attentif à votre respiration, simplement la ressentir dans un premier temps. Comme si progressivement vous commencez à poser votre conscient, votre attention, sur un processus inconscient. Le battement cardiaque, la respiration sont des choses qui fonctionnent naturellement, sans même que l'on ait besoin d'y penser ou d'y réfléchir. Une part inconsciente de vous est simplement remplie d'amour de soi et fait en sorte de prendre soin du corps physique en chaque instant sans même que l'on ait besoin d'y prêter notre attention. Vous pouvez simplement plonger à l'écoute de cet inconscient qui souhaite prendre soin de vous pour lui laisser davantage d'espace, afin qu'il puisse être attentif à toutes les suggestions qui vous seront partagées dans cette expérience. Cette partie inconsciente de vous qui veille sur vous en chaque instant. Cette partie qui fait de son mieux pour prendre soin de vous dans chaque expérience que vous vivez, dans votre réalité. Mais peut-être que dans cette réalité, parfois vous avez comme la sensation de manquer d'amour de soi. Certaines personnes même traduisent cela par un manque d'estime de soi. Et dans toute cette expérience, il va être intéressant de retracer tous les éléments qui vous permettront, consciemment et inconsciemment, de gagner naturellement en amour de soi et donc en estime. Concentrez sur votre bien-être. Et alors toujours en étant attentif à votre respiration, à vos battements cardiaques, au silence environnant, vous allez autoriser une relaxation à commencer à s'installer
au niveau du corps et de l'esprit. Pour ce faire, vous allez commencer à être attentif à votre corps physique. Vous allez par exemple commencer à être attentif aux pieds. Simplement les ressentir. Et imaginez comme une relaxation qui commence à s'inviter. Simplement en l'imaginant. Et commencez à vous apercevoir que lorsque vous imaginez que quelque chose se passe, vous pouvez constater qu'effectivement elle commence à s'activer dans la réalité. Vous allez donc simplement imaginer que les pieds se relaxent, et peut-être même imaginer comme une couleur, une énergie d'amour que vous pouvez identifier, que vous allez simplement imaginer. Commencez à s'émettre au niveau des pieds, comme si vous pouviez simplement apporter de l'amour au niveau des pieds. Cela pourrait paraître étrange, mais vous allez simplement laisser cette énergie, cette sensation de relaxation, d'apaisement, commencer à monter le long du corps pour arriver au niveau des mollets. Et puis avec votre propre rythme, va continuer à monter. Au niveau des mollets, au niveau des cuisses et au niveau de toutes les parties du corps, comme si vous pouviez simplement partager, émettre une sensation d'amour de soi au niveau de chaque partie de votre corps, une façon de l'accepter pleinement, d'accueillir les sensations qu'il vous partage. Et de pouvoir imaginer cet amour qui se diffuse au niveau de tout le corps physique pendant que celui-ci s'autorise à se relaxer. Les pieds se relâchent progressivement, les mollets également. Et cette relaxation continue de monter au niveau des cuisses, puis au niveau du bassin. Imaginez simplement cette couleur apaisante, symbolique de l'amour de soi. Cette couleur qui continue de monter au niveau du ventre, au niveau du dos, et de glisser tout le long de la colonne vertébrale pour arriver jusqu'au niveau des épaules, au niveau du torse, comme si vous pouviez imaginer votre corps comme étant un récipient qui se remplit d'une énergie d'amour et de relaxation progressivement. Puis cette sensation va commencer à glisser le long des bras en passant par les épaules pour arriver jusqu'aux coudes, jusqu'aux poignets, jusqu'aux mains, peut-être même jusqu'au bout des doigts, et sentir comme une légère pulsation très subtile sous la pulpe d'un ongle. Ce battement cardiaque qui nous exprime que nous sommes vivants chaque instant, remplis de vitalité, qui peut s'exprimer à travers différentes sensations corporelles. Et le corps continue de se relaxer progressivement. Puis cette sensation va commencer à monter tranquillement, en passant par la nuque, pour monter jusqu'au niveau du visage et simplement relaxer, apaiser tout le visage comme si celui-ci pouvait se lisser, se tranquilliser, s'apaiser. Parfois on a même la sensation que le corps physique commence à s'endormir, tellement la relaxation peut être profonde lorsque l'on imagine qu'elle le devient. Ressentez simplement cet apaisement et faites en sorte inconsciemment de l'intensifier. Simplement par votre intention. Les yeux sont fermés et vous êtes confortablement installé, le corps relâché, avec cette couleur que vous pouvez imaginer continuer de se diffuser au niveau de chaque partie du corps.
comme si à chaque étage de votre physique, de l'amour commence à se diffuser, à se partager, à s'implanter, à grandir même, pour pouvoir faire en sorte d'imaginer que tout le corps entier se retrouve comme dans un espace de paix, d'amour, de tranquillité. Vous pouvez alors comme imaginer être entouré d'une bulle apaisante à travers votre corps physique. Et bien évidemment, si vous le souhaitez, à n'importe quel moment, vous pouvez changer votre position pour être parfaitement confortable durant toute cette séance. Et peut-être même que vous allez commencer à imaginer que tout ce corps physique commence à flotter. Ce qui peut être paradoxal car, lorsque l'on gagne en relaxation, on a parfois la sensation que le corps est un petit peu plus lourd, détendu, relâché. Et paradoxalement, on peut avoir la sensation qu'il devient de plus en plus léger. Comme si on pouvait utiliser cette sensation de relaxation pour solliciter notre imagination et commencer à partir dans un tout autre voyage. Laissez son esprit voyager. Et vous allez alors simplement imaginer que votre esprit commence à vous inviter à se positionner dans un lieu magique. Cela peut être un lieu totalement imaginaire ou encore un lieu que vous connaissez dans le réel. Peut-être même un lieu que vous avez observé dans un film ou que vous avez pu imaginer à travers un livre. Finalement, peu importe. Vous allez simplement autoriser votre inconscient à vous imaginer être positionné dans un lieu magique. Je me demande à quoi ressemble ce lieu pour vous. Je me demande quelles sont les couleurs que vous pouvez observer. Quels sont les sons que vous pouvez entendre. Quelles sont les sensations que vous pouvez ressentir dans un tel lieu. Vous allez simplement faire en sorte de vous représenter ce que votre inconscient souhaite vous partager de façon fluide et simple. Si vous ne percevez pas toujours tous les détails, dites-vous que c'est très bien comme ça. Faites simplement de votre mieux pour vous installer tranquillement dans ce lieu magique. Et vous allez peut-être même pouvoir marcher dans ce lieu, commencer à explorer, observer tout ce qui est présent autour de vous. On peut parfois même avoir la sensation d'être dans un rêve. Peut-être que des détails apaisants vont commencer à s'intensifier, comme des lueurs, comme des couleurs. Et vous allez alors simplement vous autoriser à vous arrêter quelques instants et à vous installer confortablement dans ce lieu, entouré peut-être de plein de symboles qui peuvent vous rassurer, qui peuvent vous donner la sensation comme si vous étiez chez vous, que ce lieu finalement est votre espace, dans lequel vous pouvez imaginer n'importe quel type de choses. De l'imaginaire, du réel, tout est possible. C'est vous qui tenez la télécommande. On pourrait intensifier des couleurs, faire apparaître des phénomènes, suggérer une guérison, ressentir des sensations particulières. Et vous allez alors simplement vous autoriser à vous installer confortablement et commencer à vous concentrer sur le cœur, ressentir son battement, ressentir sa vitalité, ressentir peut-être même le champ électromagnétique qu'il émet, ressentir ses vibrations, ressentir peut-être même toutes vos valeurs profondes qui vous connectent à l'amour de soi, à l'amour de la vie ou encore à l'amour inconditionnel. Dans un univers où tout est lié, où l'amour est l'énergie la plus puissante, l'énergie créatrice,
l'énergie qui nous fait monter en vibration de façon inconsciente et de façon impressionnante. Et vous allez alors simplement toujours connecter avec votre cœur. Imaginez que des couleurs, des lueurs, de couleurs vertes et roses commencent à s'inviter partout autour de vous. Vous allez imaginer les teintes les plus appréciables, les plus belles pour vous, de ces couleurs. Comme si ces lueurs pouvaient venir danser tout autour de vous. Commencez peut-être même à provoquer une forme d'ouverture au niveau du cœur. Comme si le cœur pouvait s'ouvrir en grand. Décupler votre ouverture d'esprit. Comme si une lumière commençait à se dégager de votre cœur. Une lumière intense, pure, qui viendrait progressivement se diffuser dans tout le corps. Et on pourrait alors ressentir comme des fourmillements, comme des sensations particulières et en même temps agréables, qui viennent s'installer sur différentes parties du corps. Laissez simplement cette lueur se diffuser comme si tout le corps pouvait s'allumer, émettre une certaine forme de pureté à travers cette ouverture. Et puis alors vous allez même imaginer fermer les yeux dans ce lieu magique. Vous allez simplement laisser votre inconscient vous inviter à vous faire voyager à travers un souvenir d'enfance. Un souvenir qui vous a peut-être touché positivement. Dans une période où vous étiez comme insouciant, rempli d'amour, rempli de gaieté, d'envie de bien faire. Sans être encore parfois bloqué par certains schéma mentaux, ou encore par certains aspects qui parfois peuvent nous bloquer dans notre réalité. Vous allez simplement vous concentrer sur ce souvenir et commencer à vous imaginer, vous observer, enfant, cette belle personne, cette personne remplie d'humanité, remplie d'amour, remplie de vitalité, que vous pouvez comme vous représenter. Et observez avec vos yeux d'adulte. Et alors, vous allez simplement rassurer cet enfant intérieur. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous êtes conscient de vos valeurs, de ce qui fait de vous une bonne personne, quelqu'un de bienveillant. Et vous allez alors simplement imaginer même prendre cet enfant dans vos bras. Comme si une certaine forme de connexion commençait à s'établir, à s'intensifier. Comme si vous pouviez simplement partager l'amour que vous avez aujourd'hui, pour vous-même et pour l'enfant que vous avez été, à cet enfant intérieur, à travers cette représentation. Un échange d'énergie commence alors à opérer, à s'intensifier. Et vous allez imaginer même cette couleur intérieure, cette lumière si intense, qui se diffuse vers tout l'extérieur, comme si tout autour de vous devenait de plus en plus lumineux, de plus en plus brillant. Vous allez simplement remercier cet enfant intérieur pour sa vitalité, pour son humanité, pour tout cet amour dont elle dispose et qu'elle peut partager de façon inconsciente. Et vous allez ensuite toujours connecter avec cet enfant intérieur, vous concentrer sur vos valeurs profondes. Toutes les valeurs qui peuvent faire de vous aujourd'hui une personne qui souhaite simplement bien faire. Tout ce qui fait de vous quelqu'un d'aimable, quelqu'un d'aimant. Si vous ressentez une certaine forme de pudeur à ressentir tout cela, songez simplement aux qualités que vous appréciez chez les autres, chez un ami. Par exemple, et ressentez simplement comment ces qualités peuvent faire de vous une belle personne, des qualités intérieures, des valeurs importantes, comme si vous pouviez commencer à vous imaginer, vous représenter une valeur profonde, à travers une séquence, à travers une sensation,
à travers une couleur, peut-être même une musicalité. Et vous allez alors simplement laisser vos valeurs se diffuser au niveau de tout le corps et de tout votre être, de tous vos corps émotionnels même, pour faire en sorte comme si une certaine énergie pouvait commencer à se diffuser de votre représentation vers l'extérieur. Des valeurs si intenses, si importantes, qu'elles commencent simplement à se décupler naturellement, inconsciemment. Votre inconscient, lui, va simplement profiter de cet espace pour solliciter toutes les ressources présentes au plus profond de vous-même et commencer à les diffuser sur chaque partie de votre être. Et vous allez vous sentir comme être naturellement plus rayonnant, plus aimant. Comme si cette envie de bien faire naturelle chez vous pouvait se décupler, connecter à vos valeurs profondes. Toutes ces qualités présentes en vous, si importantes pour vous. Cette lumière qui s'intensifie avec vos valeurs que vous pouvez vous représenter d'une façon ou d'une autre. Vous allez même peut-être sentir comme votre vibration qui grandit, comme une sensation intérieure d'élèvement, comme si vous pouviez vous imaginer grandir dans cet espace, prendre davantage de place. Mais en réalité, c'est simplement votre énergie qui décuple votre amour intérieur. Comme si votre corps physique prenait davantage d'espace, tellement grand, que vous pourriez peut-être même observer tout le monde vu d'en haut, rempli d'amour. Peut-être même que votre inconscient pourrait naturellement diffuser cet amour partout autour de vous, sans même que vous ayez besoin d'y prêter attention. Cela peut se faire naturellement. Parfois, lorsque l'on croise une personne particulièrement lumineuse dans notre réalité, on a comme la sensation que cette personne vient illuminer un espace simplement par sa présence. Et alors peut-être que votre inconscient va faire en sorte que vous soyez capable inconsciemment et naturellement d'illuminer un espace à travers l'amour que vous portez à l'intérieur qui continue de grandir jour après jour, sommeil après sommeil, sans même que vous ayez besoin d'y penser. Cette vibration qui continue de monter, votre estime qui continue de se décupler à travers votre valeur globale et vos valeurs personnelles. Peut-être même d'ailleurs que dans votre réalité concrète, dès que vous apercevrez la couleur verte sous n'importe quel type de teinte, vous ressentirez désormais comme une sensation d'amour à l'intérieur, comme si une partie de vous-même était capable de diffuser cette sensation, comme une présence transparente qui viendrait vous partager un message bienveillant, positif, rempli d'amour. Quelque chose qui peut vous rassurer naturellement. Une présence impalpable, toujours là, à vos côtés, qui vient faire grandir votre amour de soi à chaque fois que vous percevrez la couleur vert sous n'importe quel type de teinte. Cela se fera naturellement et inconsciemment. Vous n'aurez même pas besoin d'y penser, même si parfois vous constaterez cela. Vous observerez le vert et vous ressentirez alors comme une énergie spéciale, une forme de chaleur intérieure, quelque chose qui peut vous rassurer et vous donner simplement envie de vous concentrer sur votre bienveillance, sur votre amour de soi. Et alors votre inconscient, lui, continuera de solliciter toutes les ressources qui peut sécréter à différents niveaux, pour vous accompagner à amplifier naturellement cet amour de soi, connecté avec la belle personne que vous êtes et la grande personne que vous êtes en train de devenir. Très bien. Puis vous allez alors simplement vous recentrer sur ce lieu magique. Comme si vous pouviez imaginer des petites lueurs qui commencent à naître partout autour de vous.
peut-être même qu'une part inconsciente de vous va vous diffuser comme un pouvoir, comme une forme de magie qui viendrait naturellement. Vous partagez des pensées, des solutions, des suggestions positives dans votre quotidien pour que dorénavant, à chaque problème que vous rencontrerez, vous aurez automatiquement une connexion avec votre amour de soi. Des solutions bienveillantes s'offriront à vous, comme de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Les anciennes pensées qui pouvaient être par moments négatives, qui n'étaient pas alignées avec ce que vous souhaitiez réellement pour vous, vont commencer à s'estomper et à être comme remplacées, renouvelées, reconstruites par des pensées beaucoup plus positives. Par votre bienveillance, par vos valeurs profondes, ce qui fait de vous qui vous êtes, une personne unique et remplie d'amour. Et vous allez alors continuer à pouvoir observer ce qu'il y a observé dans ce lieu magique. Et quant à moi, je vais simplement laisser mon silence vous accompagner pour que vous puissiez revenir simplement à votre rythme, dans votre ici et maintenant. Lorsque vous aurez décidé de sortir de cette expérience hypnotique, vous pourrez simplement vous connecter à vos sens et à tout ce qui est présent autour de vous dans votre réalité concrète, aux sons, aux sensations de votre corps, à votre respiration. Mais en attendant, je vais simplement vous laisser profiter de cet espace en vous souhaitant une excellente fin d'expérience. Et bien évidemment, je vous retrouve très vite pour de nouvelles séances d'hypnose. Prenons bien soin de nous et laissons l'amour se diffuser et s'installer en profondeur à tous les niveaux. Je vous remercie pour ce moment et je vous proposerai même peut-être de ressentir une forme de gratitude intérieure pour votre inconscient. La gratitude est comme le muscle du bonheur et peut naturellement venir intensifier notre joie, notre amour ou encore notre sérénité dans n'importe quel type de contexte. Vous allez alors simplement tenter de ressentir de la gratitude pour votre inconscient, pour la vie en général, mais surtout pour vous-même. Et je vous souhaite une belle fin d'expérience et je vous dis à très vite.